Bon, je pense qu'on va quand même commencer avec de l'AD, hein. Je max le E. Et puis on verra. Ah mais il y a un ratio AP sur le Z. Ah! Ah! 65% sur le Z, 110% sur le R. Je fais quoi? Je max le Z du coup? Ça me permettra d'avoir du Waveflare. Ah mais c'est intéressant ça! Le Z a un ratio AP aussi. Et je fais le tour. Objectif croisé Silas. Merde. Hop là, petit Dark Harvest. Qu'est-ce qu'il fait le Timo, frère? Oh, triomphe! T'attends quoi? J'ai pas triomphe, si? Je dois pas avoir tiré. Bien joué, Garen! Montre-lui! Merde, j'ai pas pris d'item. Du coup, on fait Dawn Nashor. Donc on va prendre l'attaque speed d'abord. Ne trollons pas. Quel début de game de fou. Mange la peau du kiwi. Bien sûr. C'est la meilleure partie la peau du kiwi. Juste penser à bien le laver quoi, mais bon. En fait je dis ça, mais tous les fruits à peau faut les laver hein. Tous les fruits dont tu manges la peau, faut les laver, hein, pas que le kiwi. Hein. Tu manges la peau de la pomme ou de la poire, j'espère que tu le laves avant, quoi. Bien joué, ça, Flash Shadow. Tu es pas une merde, en tout cas, Flash Shadow, ça fait plaisir. Bon, si je dis pas de bêtises, le heal a un ratio AP aussi. Le heal du Z. Peut-être que je dis des bêtises. Donc on a ratio AP, le heal du passif, pardon. On a ratio AP sur le R, ratio AP sur le heal, ratio AP sur le E, et ratio AP sur le Z. Bon, et ce champion est fait pour être joué AP. Aucune raison de pas le jouer AP, ce champion. Juste en termes de mana, ça a l'air d'être galère. Mais c'est poilu, mais quand tu le laves, les poils, je pense qu'ils deviennent quoi, les poils, quand t'as lavé le kiwi? À la limite, t'en as un petit peu, mais... Non. Tad. Ok, c'est pas une boutade. Le Timo! Mana. Ma wave est trop bien pour ne pas back tout de suite. Mais je vous conseille d'essayer en vrai. Tu laves bien ton kiwi, tu le frottes bien. Comme ça les poils ils t'embêtent pas. Et ensuite ça se mange comme une pomme. Sauf qu'il n'y a pas de pépin au milieu qui casse les couilles. Il y a juste le bas du kiwi qui est pas trop mangeable. C'est tout dur et tout, c'est chiant. Et quand j'ai appris ça, le kiwi est monté dans mon estime des fruits. Le problème, c'est que moi, les fruits, quand c'est trop dur à manger, genre faut le couper, prendre une cuillère et tout, ça me pète les couilles. Mais quand j'ai appris que je pouvais juste le passer sous l'eau, le frotter un peu et croquer dedans, bah là, ma vie a changé. Ma vie a changé, frère. On va max le Z du coup, si le Z a un ratio AP, pourquoi pas. Ça me permettra d'avoir un peu de wave clear. Prendre les coups en mana du perso, c'est quelque chose. Et Silas qui a osé aller bot. Je me dois donc de venger mon équipe. Un ignite en plus. Reste là, je te dis. Meurs.
Et ensuite, on maxera le E, vu que le Q n'a pas de ratio AP, si je dis pas de bêtises. Juste des auto-attaques, qu'est-ce qu'on a à foutre des auto-attaques? On n'est pas là pour mettre des autos, nous. Après, il y a notre régène qui est bien avec les autos, c'est pour ça qu'on va quand même jouer dans le Nashor. Ah! Ça, vous avez aimé. Cette catapulte bien lastite, bien comme on aime. C'est combien le ratio AP du heal? %65 en Gugan. Pas mal en vrai. Je suis là, hein. Ah. Dommage, on aurait dû y aller, non? On a oublié la game d'avant. T'es en train de dire... T'es en train de parler au bot, là? Il est en train de dire au bot qu'il a oublié de compter un canon, je vais crever. Alors malheureusement, le bot, il peut pas parler. Hein. Enfin, il parle, mais il parle que quand vous lui demandez de parler, quoi. Je parle au bot dans le bus pour pas qu'il me tue. Merci Nicodime pour ton follow. Du coup, il n'y a que le deuxième coup du Z qui a un ratio AP d'ailleurs. En vrai, le premier coup, ça sert pas à grand chose de le toucher. En fait, aussi le problème, c'est que ça fait des dégâts physiques, j'imagine. Ouais. Un peu chiant. Le R fait des dégâts physiques, ouais, et le E, magique. Le E, c'est des dégâts magiques. Là, mon heal, c'est déjà du sang toutes les 3 autos, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Du coup, ça veut dire qu'on peut se battre un peu comme un con. Enfin, peut-être pas autant comme un con. Demacia! Je veux! Non, pas du ping que je l'avais. Ah, je sais pas, peut-être qu'après il y en a qui peuvent te répondre si tu les configures d'une certaine façon. Mais... Moi j'ai rien configuré, vous savez. Regardez-moi tous ces HP régénérés. Oh là là. Non, en vrai, j'avoue, c'est. J'aurais peut-être dû jouer l'étal tempo, hein. C'est une bonne idée au final. Oh, j'ai plus de mana! J'ai envie de crever! Oh merde! Ça fout un peu le seum, j'avoue. Non mais il savait que je méritais le kill, c'est pour ça. Il savait que je méritais le kill, donc il s'est dit qu'il allait me le donner. Il m'a répondu pour pas que je le tue. Ok, bon, dans le Nashor. On max le E maintenant. Et on va voir ce que ça donne. En vrai, ça a pas l'air mal, hein. Ça a pas l'air si mal que ça, le Xenapé, là. Dire qu'il fait des allers-retours. La présence d'esprit, ça aurait été bien, t'as raison, ouais. T'as raison, c'est ça qui manque dans mon build. Présence d'esprit. Je l'ai pas pris sur Yasuo, c'est logique, mais... Et sur Xin, ça aurait été bien. Ouais, c'est... En vrai, je regrette, là. En plus, on n'aura pas un item de mana. Je pense que le mieux à faire, c'est d'engager avec le E et ensuite de mettre le Z après le Q.
pense c'est mieux. Et t'es à moi. Genre j'engage avec le E. Zach vous... Zach se sent plus pissé là. Et le Zach est sauvé, le Zach est sauvé. Démacie à la gueule hein. Tu fais quoi toi? Arrête. Ah bah, vas-y continue. Continue, y'a pas de soucis, on est ensemble. Encore une game FF15, je pense pas, tu surènes de pas contre Xinzao AP quand même. Quand même hein. Une bonne attaque de base, une bonne attaque speed de base Xin aussi hein. J'avoue, ouais, s'il y a bien un truc que je regrette, c'est de pas avoir présence d'esprit. Ça, je suis d'accord. Et quoi, je fais Rabanon ou Lich Bane? Ouais, il a tellement de ratio AP que je pense que c'est mieux d'avoir Rabanon que Lich Bane. Hein. Contrairement à Yasuo. J'arrive au bot. Le Silas il se croit... Oula, attention, attention Nami. J'allais dire le Silas il se croit invisible, mais Nami l'a pas vu, genre. Ah. Regrette un peu. Ih. Je reviens pas que ça se soit passé. Je n'en reviens pas que ça se soit pas mal terminé, genre. J'ai réussi à rater la seule personne que je visais. Bah parfait. 200 de heal déjà sur le passif. Ça marche sur les wards aussi. Oh, oh mais bro, mais c'est OP. Allez, mon Zach, il me vole mon farm. Je vais donc reporter le Zach. Ça marche aussi sur les tours, ça j'en suis presque sûr. Restez concentré, restez concentré. Bougez pas. Si le Silas va chercher des CS, il est mort. Faire la range du dash. Ouais, bah oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, peut-être du flash Z et ensuite dash. En fait, ça dépend des circonstances et tout. Il y a des moments, bah tu veux dash d'abord, et il y a des moments, tu utilises ton Z d'abord. Et ça, c'est beau, ça. Oh, le kiting. Le kiting de fou qu'on lui a mis, là. Arrête de laisser les gens à 1 PV, Flash Shadow, pitié. J'ai pas raté. Quelqu'un a vu que j'avais raté un sort, je crois pas. Hein. Dommage. Dommage, dommage. Il a eu 1000 balles sur le kill de Garen, mais on va report Garen. Hein. J'ai envie de faire un item... un item de mana, du coup, parce que c'est trop la galère, là. Mais genre j'ai flash dash et ensuite j'ai essayé de toucher mon Z alors que j'aurais dû flash Z et ensuite toucher mon dash. Séraphin en vrai pas con hein. En vrai pas con hein.
C'est vrai qu'un full combo de Xin, frère, ça lui coûte tout son mana. Hein. J'arrive la bot lane. Et one shot? Fais du dash sur l'autre. Bah je crois que les 1000 gold que Garen a donné vont poser problème, les amis. Hein. Oh. Il m'a one shot le bug, what the fuck? Ouais, il a 50 CS. Bon, Ginzo, ça donne pas de mana, Ginzo. Et après, le problème du Séraphin, c'est que c'est un peu tard maintenant, mais. Ça fait un poil tard. Hein. Il me faut le Rabadon. C'est la conclusion logique de cette histoire. Il me faut mon Rabadon. Le Zac, il a posé l'Hérald et il est rentré dedans ou je rêve là? Parce qu'il vient de se passer là. Le Zac qui vient de faire le tour du village, là j'ai pas rêvé. J'ai envie de crever, frère. J'ai envie de crever, frère. J'ai trop la haine, ce putain de spell de con. Ah, j'ai trop la haine. Ah, par contre, il s'est passé quoi, Zac? Il voulait déward, d'accord. Hein. Mais que tu poses l'Hérald, c'est une chose. Mais du coup, t'as misclick l'Hérald et en plus... il a misclick la pose de l'Hérald et derrière, il a misclick le fait de rentrer dedans. Non, c'est trop débat, hein. Il y a 600 gold. Ok, les 600 gold vont être utiles, il faut que je les récupère. Oh. KS! Merci monsieur Garen. Ta contribution ne sera pas inutile. Maintenant il nous faut le shutdown de la... de la bot lane. C'est du combien le R? Ah mais c'est des dégâts physiques. Et 15% des PV actuels plus... 110% de mon AP. Ah, les dégâts bonus de mon crit, c'est forcément des dégâts physiques sur la tour. Intéressant ça. Et tu viens pas lui dire? Il avait l'air déterminé à venir pourtant. Ok, on récupère le Rabadon. On va y arriver. Est-ce que je fais une tire? Au fur et à mesure, de toute façon, on devrait s'en sortir de mieux en mieux en mana, non? Est-ce que je fais Rift? Pour essayer d'être un peu tanky, peut-être? Alors vraiment, on part pour one shot. Non, je vais faire Leash. Je peux rien faire de tout ça. Je peux faire 3 tomes, c'est déjà ça. Alors, on va faire Leash, c'est bien. Hop là, plus de Udyr. Ah, petite double auto-attaque sur le Sylas, il l'a mérité. Il n'y a plus de shutdown en récup, donc là l'objectif ça va être juste d'être full stuff. Et on va essayer de one-shot un max de personnes aussi. 571 mon Z. Salut la botlane.
Très bien. Red Trinket. Red Trinket, comme ça je peux régène sur les mushrooms au lieu de marcher dessus. J'ai un peu le seum, j'avoue. J'avoue que j'ai un peu le seum. Je vais pas vous le cacher, j'ai le seum, ouais, c'est bon. Je bouge ça un peu. Un peu décalé ma cam. Hein. Ah, et d'ailleurs, on est à, faut, c'est 158 hein, le sub goal. Là. Je l'ai pas changé, mais. Hein. C'est où? C'est là. On est bien à 158. Hein. Faudrait que j'aille récupérer un peu de farm. On a que deux items alors que les ennemis ont aussi deux items. Et que le R est sympa juste pour pas prendre de dégâts aussi. Hein. Putain, si je prends le champignon de Teemo avant et que Kalista revive grâce à ça, je rejoins Papa Johnny IRL. Le wave clear avec le Z est convenable. Comptez que tu touches tes sorts. Bon ça. Oh, on a un bon combo one shot là. Mon Teemo pète les couilles mais normalement on devrait le régène. En fait avoir des HP ça me permettrait de profiter de ma régène. C'est vrai que ça pourrait... Reste calme. Faut mettre un point dans le mauvais sort. Tentative de KS ratée. Ah, bah j'aurais dû tenter de KS mieux. J'aurais dû mieux KS Flash Shadow. À moi! Elle a voulu jouer au con, elle a gagné, j'ai trop la haine. Sauve mes PV. Hop là. Déjà on croit qu'ils m'avaient enlevé des PV là. Personne m'a enlevé de PV. Hein. Regardez, je suis full life. Je suis full life les gars, personne m'a tapé. J'ai vu quelqu'un me taper où? Personne. Par contre j'ai vraiment l'impression qu'il fait zéro dégâts. C'est fou la différence entre les dégâts magiques et les dégâts physiques dans le jeu. Vu que les gens ont toujours de l'armure, c'est abusé. Hein. Et là, fais voir l'armor de Kalista. Elle a 75 d'armor, frère. Là, y a tous les champions, ils ont toujours plus d'armor que de RM. Quand tu vois écrit dégâts physiques et dégâts magiques sur un sort, la différence, elle est si grande. C'est pour ça que Irelia est pas si bien que ça en full AP, même si elle a genre 120% de ratio AP sur son Z. C'est des dégâts physiques. Ils sont en train de faire le nage. On les laisse, ils savent ce qu'ils font, c'est des grands garçons. Et des grandes filles. Je n'en doute pas. J'ai un peu la haine. J'ai pas pu mettre ma dernière auto. Touché. Ah mais vous l'aviez vu le champignon quand même les gars. Touché. Si vous êtes flashé en légende. Je pense pas qu'on avance. On va récupérer un peu plus de stuff. Est-ce qu'on fait du coup un peu de tankiness avec genre Liandry Rift? Ou est-ce qu'on part vraiment full one shot avec genre Shadow Flame? Shadow Flame c'est marrant après. Est-ce qu'il n'y a pas mieux? Alors vas-y, va pour le Shadow Flame. Va pour le Shadow Flame. Il faut que je pense à utiliser ma Red Trinket quand je vois les mushrooms parce que la team les voit pas forcément. Ah bien sûr que le Z flashé il sera dans les conseils de chaque champion, évidemment.
Y'a là. De toute façon, à part ça, y'a pas grand chose à dire sur Exil. On court si vite. Monsieur Silas. Oh merde. J'ai mis ce clic. J'ai lancé mon Z au lieu de lancer mon E. Ça aurait pu être gênant. What? Ah merde, à cause de la Banshee, ça marchait pas. Donne. J'ai régène combien dans ce fight, vous pensez? Je régène du 500 pas à toutes les 3 autos là? Oh, c'est une dinguerie par contre la régène. C'est une dinguerie la régène. Calmez-vous, hein, je suis pas full stuff les gars, vous allez loin là quand même. Vous allez loin, on n'est pas full stuff encore. Hein. Ah, le Nashor c'est toujours une idée de merde. Hein. On va y arriver, on va y arriver. Qu'est-ce qu'on fait après? Ah, l'attaque speed qu'on a, frère, c'est un truc de fou. En vrai, non, on n'avait pas besoin de l'étal tempo. Hein. Au niveau mana, en tout cas, c'est un peu mieux qu'avant. Là, ça va. Par contre, le E, il fait pas tant de dégâts que ça. Ça c'est parce qu'il a pas beaucoup de dégâts de base, le E. Shadow Flame. Shadow Flame, Shadow. Aïe, 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 aïe. Je vous l'avais dit, la team, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit, il fallait pas récupérer ses inhibs. Dommage. Dommage, dommage. C'était quand même rigolo, ça va. C'était plus rigolo que ce que je pensais. Mais malheureusement, on n'aura qu'un seul giveaway à l'issue de cette game. C'est bien triste. C'est bien triste, c'est bien triste. Merci YouTube. En tout cas, si tu vois ça, j'espère que t'as passé un excellent moment. Xinzao n'est pas un assassin, mais Xinzao fout la paix est rigolo. Et ça, c'est ce qu'on retiendra de cette partie. La régène est exceptionnelle quand même. Hein. Putain. Du 500 toutes les 3 autos alors que j'avais que 3 items. J'aurais bien aimé voir ce que ça donnait en full stuff. On a bien rigolé. Merci YouTube. On me rejoint comme d'hab sur Twitch, sur YouTube, sur TikTok, sur Insta, sur Discord, sur Twitter. Et on se dit à la prochaine.